vous avez envie de créer une encre ou un renvoi automatique sur votre page Systemio qui ressemblerait finalement à ceci. Quand une personne clique sur un bouton, elle est envoyée à un endroit spécifique d'une page. Eh bien, sachez que c'est tout à fait possible et je vais vous montrer dans ce tutoriel comment faire. Je suis Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki. Nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement et avec style. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutos pour vous aider à prendre en main les outils pour digitaliser votre expertise. Pour ne manquer aucun tuto, n'hésitez pas, abonnez-vous et ça nous soutiendra également et ça nous encouragera à toujours créer de meilleurs tutoriels. Alors c'est parti, allons sur Systemio et voyons comment vous allez pouvoir créer cette fameuse encre, ce renvoi spécifique vers une page. Donc ici, on est directement sur notre page sur laquelle on souhaite mettre en place notre encre. La toute première chose à faire, eh bien, c'est qu'on va aller à l'endroit de notre page où on souhaite que les personnes soient envoyées quand elles cliquent sur un bouton. Donc par exemple, quand elles cliquent sur le bouton « Je veux recevoir le nom de l'aimant », eh bien, on veut qu'elles aillent directement tout en bas de la page au niveau du formulaire. Donc, la première chose à faire, c'est de descendre juste ici et d'aller chercher le code HTML et de le faire glisser. Donc ici, vous aurez un code HTML pas très joli, mais ça fonctionnera. D'accord ? Vous cliquez dessus et vous cliquez ensuite sur « Modifier le code ». Et là, vous allez pouvoir supprimer ce qu'il y a ici. Voilà. Et vous allez pouvoir coller ce petit code, d'accord, que vous verrez dans le descriptif sous la vidéo. Ici, la seule chose que vous avez besoin de modifier, c'est le texte en vert qu'il y a entre les guillemets, d'accord, au lieu de ce que vous voulez. Donc là, par exemple, eh bien, c'est pour renvoyer vers le formulaire d'inscription. Donc, on peut par exemple mettre le mot-clé « inscription ». Vous ne devez pas utiliser d'espace, d'accord? Donc, si vous souhaitez mettre, par exemple, inscription à l'aimant, vous devez tout coller, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. On va laisser inscription et on va faire enregistrer. Donc, ici, on a toujours cette bande pas très jolie, mais ne vous inquiétez pas, c'est seulement pour vous, d'accord? Sur l'éditeur, que vous pouvez l'avoir pour savoir que vous avez mis du code ici, mais vous verrez, les personnes avec votre lien classique ne verront pas du tout cet élément. Et ensuite, il vous suffit de retourner au niveau de votre bouton. Vous sélectionnez votre bouton. Et au niveau de l'action du bouton, vous allez choisir de rediriger vers une page. Et ici, vous allez pouvoir rentrer l'URL de la page sur laquelle vous êtes actuellement. Donc ici, c'est cette page-là. D'accord ? Donc on va simplement prendre hop, notre URL. Vous pouvez également directement la copier depuis Systemio. D'accord ? Et on colle notre URL juste ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ? À la fin de notre URL, on va rajouter un slash. On va rajouter le hashtag, le dièse, et on va rajouter notre mot-clé inscription. C'est le mot-clé que nous avons renseigné il y a quelques instants. D'accord ? Dans notre zone HTML. Et on garde ouvrir dans la même fenêtre. Et il nous suffit de faire enregistrer. Vous pouvez cliquer sur le petit œil pour avoir un aperçu. En cliquant sur le bouton, vous serez automatiquement renvoyé vers l'endroit de votre page. Sachez que vous pouvez mettre des encres à plein d'endroits, d'accord? Donc si vous souhaitez, si vous avez une page plus conséquente, par exemple, eh bien comme une page de vente, ici on a créé des petits menus, d'accord? Des petits onglets, et quand les personnes cliquent sur les onglets, ça les renvoie vers les catégories spécifiques. D'accord ? Donc vous pouvez tout à fait mettre différentes encres sur une même page. On espère que cette petite astuce sur Systemio vous sera utile et vous aidera à créer des encres facilement. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. Et on se retrouve très vite pour un prochain tutoriel sur Systemio.